Alors, on va enchaîner peut-être assez rapidement avec le deuxième concert de la soirée. Alors, il y en aura évidemment énormément. Hein. On aura du jazz, on aura de l'électro, mais on aura aussi pas mal de surprises musicales à venir. En tout cas, ce que j'ai écouté en régie avant ce festival est représentatif de ce qu'il y aura ce soir. Ça s'annonce d'être des sacrées surprises. Donc merci Jean Gobinet. On vous souhaite une excellente soirée, évidemment. On peut l'applaudir encore. Alors peut-être en attendant que le deuxième groupe se mette en place, on pourrait voir si nos dessinateurs, est-ce qu'ils ont déjà été inspirés par ce premier concert? Et on me répond que oui. C'est incroyable, quelle inspiration. Donc Guillaume Monin, est-ce que vous avez un micro? Est-ce qu'on peut vous passer un micro pour que vous nous décriviez en direct votre chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre, je ne sais pas encore. On verra dans quelques années. voilà, intro musicale, une planète qui dit ça swing, et puis Saturne qui est à côté qui dit silence, je tourne. Merci Guillaume Monin. Pac-Man, peut-être un petit mot? Un petit dessin. Oui, moi j'ai représenté un observateur avec un télescope. Ouais, un télescope en forme de trompette. c'est typiquement dans le thème de la soirée. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à Akenium, alias Guillaume Monin, ou l'inverse, ainsi que Pac-Man pour vos dessins. On les retrouvera tout au long de cette soirée. On peut les applaudir, évidemment, comme toujours. C'est gratuit et ça fait du bien. Donc, on va enchaîner avec notre deuxième concert de la soirée. Nous allons accueillir le big band Palaiso qui va nous interpréter Rock for Rock des Scatalites. Mais ensuite, on n'a pas la place pour savoir ce qui se passe. C'est bien, c'est bien. Voilà. Musique. Thank you.
Au Big Band Palaiso pour cette incroyable reprise des Rock for Rock des Scatalites et ainsi qu'un autre morceau que je ne peux pas lire, mais que notre cher ami Mathieu Blanc va pouvoir venir nous présenter ce soir. Merci, on applaudit bien fort Mathieu Blanc. Bienvenue Mathieu Blanc, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre petit big band qui n'est pas si petit au final? Alors c'était le big band du conservatoire de Palaiso, un big band composé essentiellement de musiciens amateurs, là qui est en effectif un petit peu réduit parce que les plus jeunes n'ont pas pu venir, malheureusement. Mais, les plus jeunes qui ont quel âge? Des adolescents pour la plupart, donc ça va de 14 ans je crois à un peu plus âgé. Et on se retrouve tous les lundis soirs à Palaiso pour faire de la musique de tout style. Alors on appelle ça un big band, mais on fait du rock, on a fait du ska, on a fait du funk, on fait un peu de jazz aussi. Enfin, c'est assez ouvert. Qu'est-ce que vous ne faites pas au final? La musique classique peut-être, mais bien qu'on pourrait s'y essayer un jour, ça serait rigolo. Ah, et où est-ce qu'on peut vous écouter? Alors on joue souvent dans les événements liés au conservatoire, les auditions, les concerts, etc. Mais dès qu'on nous le propose ou dès qu'on en a l'occasion, on sort des murs du conservatoire aussi pour participer à des belles soirées comme celle de ce soir. Voilà. Ou sinon, on joue au centre social de Palaiso au mois de septembre, par exemple. Voilà. Dès qu'on en a l'occasion, je propose au Big Band et en général, j'ai un oui unanime pour qu'on se produise. Eh bien, vous êtes les bienvenus par ici et on vous remercie infiniment. Un grand merci, merci pour l'accueil, merci pour cette belle soirée. Et on espère que vous passerez une excellente soirée en notre compagnie. Ah, c'est déjà bien parti. Merveilleux. Merci Mathieu beaucoup. Blanc. Bonne soirée. On peut l'applaudir une deuxième fois. Théo, mon ami Théo.
Quelle est la température du chat aujourd'hui? Car la température de la salle est extrêmement haute. Elle est extrêmement haute. Je pense qu'elle frise le centre, celle du centre du soleil. Mais si ta question concerne les questions qu'il y a, il n'y en a toujours pas, puisqu'on n'est pas rentré dans le dur. On n'est pas, oui, bien sûr, on n'a pas de questions, mais est-ce qu'on a des commentaires, des encouragements, des menaces de mort? Aucune menace, beaucoup de bienveillance. C'est bien. Merci voilà. Pour votre bienveillance. On a un bon public hein, sur le Sense of Wonder en général et on espère que ça va continuer ainsi tout au long de cette soirée. On est ravis de vous avoir en tout cas. Donc on va tout de suite enchaîner sur un... Sur quoi? Est-ce qu'on a des dessins déjà? On a des dessins, mais quelle rapidité, c'est incroyable. Alors il faut savoir que Pac-Man et Guillaume Monin vont dessiner toute la nuit et se sont donné pour challenge de tenir. et probablement, alors est-ce qu'on avait un record de l'année dernière? Car ils étaient aussi là l'année dernière, on a eu l'honneur de leur présence l'année dernière. Vous aviez fait une petite centaine de dessins, je crois. Petit millier de dessins, je crois. Chacun, au moins. Donc on va essayer de battre le record de l'année dernière, quelques records qu'il soit. Donc en tout cas, on est aussi ravis de vous avoir. Guillaume, est-ce que tu veux nous présenter ton dessin, s'il te plaît, avec un micro, si possible. Ah, merci Hervé. Tu peux parler très fort, sinon. Il est à l'image, là, c'est bon ? Ouais. Non, c'était juste... le premier morceau était assez ambiance reggae, donc ça m'a fait penser, effectivement... à une planète dans l'ambiance, planète Terre en ambiance, et donc les extraterrestres passeraient dans le coin et entendraient cette musique, et ça a l'air sympa. Là-bas, on y va. Et la planète lui répond toute la nuit, man. Merveilleux. Merci. On l'applaudit bien fort. Pac-Man. Moi, j'ai fait un dessin un peu rapidement, mais bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est des gens qui sont. Qui sont dans un observatoire et à la place du télescope, il y a une mèche et ils sont en train d'essayer de recréer le Big Bang. Merci. Pour voir ce que ça va faire. Merci Pac-Man, on l'applaudit aussi.